Les écureuils du Bénin peuvent toujours rêver participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. La dernière place disponible pour la CAN devait se jouer mardi dernier à Freetown, en Sierra Leone. Mais 5 cas positifs parmi les hommes de Michel Dussuyer ont amené les officiels à annuler la rencontre. Ce sont en réalité les Béninois qui ont refusé de pénétrer sur la pelouse, étonnés que les cas positifs concernent leurs 5 meilleurs éléments, du gardien Alagbe au défenseur Outonji et Khaled Anenon, ou encore l'attaquant Steve Mounier. Une fois rentrés à Cotonou, les écureuils ont procédé à un nouveau test révélant 5 cas négatifs. Le Bénin crie donc à la supercherie et entend déposer un recours pour obtenir une victoire sur tapis vert, synonyme de qualification. Sinon, il faudra attendre la prochaine trêve internationale au mois de juin prochain pour que les supporters puissent à nouveau exulter et célébrer une 5e participation à la CAN, toute obtenue au XXIe siècle. La dernière campagne en Égypte avait d'ailleurs vu Adenon et ses coéquipiers atteindre les quarts de finale du tournoi.